Et salut les enfants, c'est Chekwa, je suis de retour pour une vidéo consacrée. Alors attendez, attendez. Et si on allait baisser le son? Eh ben on peut pas. Je ne peux pas sortir. Ok. Donc on est de retour sur une vidéo consacrée. Je vais essayer de parler fort. Sur une vidéo consacrée au jeu The Division, à la bêta plus précisément. Merde, ah oui, j'ai mis aléatoire. Ok. Femme, confirmée. Ok, alors on a encore moins de personnalisation qu'avant. Ah ok. Non, non. J'allais dire, on a aucun qui me ressemble, mais en même temps, je suis un garçon. Alors on va faire une asiatique. Pourquoi pas? Activer agent, je sais quoi. Ouais! J'étais persuadé que la bêta commençait à midi. 11h17. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais, j'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop de choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Bienvenue au quai du Hudson! Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici! Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre! Qui commande les opérations ici? Capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue! Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Alors avant toute chose, hop, un petit tour dans les options. Évidemment dans les paramètres. Alors graphisme. Ah bah je crois que toutes mes options ont été conservées. Ouais, on dirait bien, ouais. Hop. Ouais, effectivement. Tout a été gardé. Merde. Donc oui, pour moi c'est la seconde vidéo que je fais sur la bêta de ce jeu. La première était sur la bêta fermée. Donc à mon avis ça va être les mêmes missions hein, de base. Parce que forcément je n'ai plus mon stuff, je pense. C'est sûr et certain, c'est plus le même personnage de toute façon. Passez par là. On va vérifier que vous êtes clean. Cette saloperie de virus touche tout le monde. Donc je dois bien avouer que j'ai l'impression d'avoir évolué dans le vent la dernière fois, mais c'est pas grave, parce que de toute façon quand le jeu va sortir, on reprendra à zéro. Le centre de distribution de rations d'urgence risque d'être surchargé. Si vous manifestez des symptômes similaires à ceux de la grippe, merci de rester chez vous en attendant de recevoir un traitement médical. La meilleure marchandise, c'est par ici. C'est bien ça.
Donc ça m'embête de faire une vidéo similaire à la vidéo que j'ai déjà faite, mais bon. C'est triste aussi de se dire que avant j'étais sur la bêta fermée, ça fait un peu sectaire de dire ça, donc on était moins nombreux et là ça y est, plein de gens qui arrivent. Alors que c'était au final un jeu d'enfant d'obtenir la bêta fermée quoi. Alors moi la dernière fois j'avais pris technique. Donc on va changer un petit peu. J'avais pris technique et sécurité. On va prendre médical pour une fois, même si c'est surtout sympa quand on joue à plusieurs. Hop. Et aujourd'hui je n'envisage pas de jouer à plusieurs. Pour tout dire. Inventaire. Oh là là, on recommence à poil, c'est horrible. Ok, j'ai pas de viseur. Ouais, on commence vraiment à poil, quoi. C'est... poil. À poil. C'est un truc de ouf. C'est logique, c'est logique. Du coup, ouais, le problème c'est que j'ai pas le niveau non plus pour aller faire le foufou là où je sais qu'il y a des armes sympas. Doucement, on se calme. Je dois bien avouer clairement que ce jeu me manquait. C'est un truc de ouf. Et je l'ai pas encore précommandé d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore précommandé. Le même mois, il y a Yale Sport UFC qui sort. Deux, pardon. Lui, je l'ai précommandé, mais alors... Hop. The Division, je l'ai pas encore commandé. Je vais le préco sans doute sur Amazon, je pense. Meilleur prix, hein, de toute façon. En plus, qu'il vous rembourse la différence. Si jamais le jeu sort moins cher quelque part. Donc je pense, à la base j'hésitais, c'est pour ça que je l'ai pas encore commandé, c'est parce que je cherchais meilleur prix on va dire. Hop, collecté. Mais voilà, je pense que je vais le commander sur Amazon, hein, valeur sûre. Ah ça fait plaisir de retrouver le New York enneigé. Ferme les portes, il fait froid. Alors ce serait bien que je trouve un civil à aider. Histoire d'avoir une récompense, genre un manteau ou casquette, enfin peu importe, histoire d'habiller un peu mon personnage, d'aller très vite, plus vite qu'avant. Maintenant que je connais les rouages du jeu, ce serait un peu plus sympa. Hop. Alors oui, je connais les rouages du jeu, et non, je ne ramasse pas tout ce que je trouve. C'est où? C'est dans le bâtiment? Ah merde, bon, attends Pax. Pas voir et si on réfléchit un peu. Allez petit con. Vous en faites pas. Ouais, c'est ça. Petit con. C'est pareil, c'est con qu'on puisse pas par exemple fouiller les coffres comme ça. Bon, en même temps, on arrive à pas le déluge, ça a sans doute déjà été fait. Mais... je sais que si on entre dans ce parc là, on a affaire à des petits cons. J'avais pas réussi à battre lors de la précédente bêta. Donc ça serait idiot là avec mon petit level d'y aller. Hop. Tant quand même que je me refamiliarise avec les touches. On peut pas grimper là? Ok, je croyais. Mais si pourtant. Ça me dit quelque chose là de... Je crois que j'étais monté sur le pont avec un ami. Bah oui, voilà. Ah, vivement la sortie de ce jeu, bordel de merde. Ça va être long. Encore 2-3 semaines, 3 semaines. Elle dure combien de temps la bêta? 4 jours, je crois. Ouais, 4 jours. On va aller fouiller un peu, hein. On se fait de l'exploration avant de faire les missions. Bon, enfin, des fois je fais un peu d'exploration inutile, je le reconnais. Ah, je découvre encore, hein. Je découvre encore.
Alors je sais pas si vous avez vu la map à la leaker hein, sur internet. Enfin il y a des mecs qui en tout cas ont fait une estimation de la taille de la map. C'est assez intéressant franchement. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. J'ai croisé encore aucun ennemi, alors peut-être que quand on n'a pas commencé les missions, il ne s'est pas activé, je sais pas. On peut tirer sur une ampoule qui m'a rien demandé. Comment j'y vais? C'est pas la péta la truc. Faut monter par là. Ah mais c'est le bâtiment dans lequel on entre pendant une mission si je dis pas de bullshit. Je vais me faire mal si je saute de là, non? Waking up. Ok, il y a une échelle. Voilà, je regarde quand même sur le toit s'il n'y a pas autre chose à ramasser. On dirait bien que non. Donc c'est bien. On est là. Hop. Allez. Bon, niveau 5. Mais putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous voyez, l'exploration, ça paye. Ah, de la balle, quand même. Bon, allez. On va peut-être aller faire la mission. Là, maintenant, c'est... Je suis impatient de grimper au niveau... en level. Un niveau 5, ça va pas se faire en une heure. Hein. On va pas se mentir. C'est quoi par là? Putain, c'est dingue. J'ai envie de faire l'émission, mais plus j'avance, plus je veux. Voilà, j'ai envie d'explorer. Je découvre des endroits. Et surtout quand je vois des trucs fermés comme ça. Ah non, c'est pas tellement fermé. Ok, bah de toute façon, j'ai pas le choix. Soit je reviens en arrière, soit je passe par là. Je m'attendais à une petite glissade ou quelque chose du genre. Allez, viens vous faire mettre surtout. C'est bon, calmez-vous. Mais c'est dans le besoin, laisse-moi t'aider, non? Oh. Hey, on se calme là. Faut pas le prendre comme ça, hein. Allez, on va aller faire la mission. J'ai vu que dans la bêta ouverte, apparemment, on avait la nouvelle aile d'ouverte dans le QG. Comment ça s'appelle? Technologie, je crois. Et c'est peut-être, si je dis pas de conneries, cette aile-là qui va nous permettre d'acquérir. Peut-être pas dans la bêta. Un petit drone, oh, je suis bluffé. Une petite araignée drone qui possède une arme. Ah ben voilà, ah, des voilà. Méchants. Là, d'accord. Oh les mecs, vous êtes radins! Ne
Frère, non, je sais que là dans le parc à gauche, pareil, il y a des méchants. Mais je crois que j'ai pas le level et qu'ils sont assez nombreux quand même. Je vais pas m'y risquer. Je vais continuer mon aventure. Nouvelle rencontre. Je cherche pas à me battre. Je sais. C'est pas la mission principale, mais je vais le faire parce que ça peut rapporter gros. C'est une mission, enfin une mission secondaire que j'avais vachement appréciée dans la bêta fermée. Ah ouais, mais non, je crois que. Avant d'y arriver, on tombe sur des mecs un peu violents. Élite, je crois. Quoique, ils y sont peut-être plus, hein. C'est peut-être de l'aléatoire aussi. On va avancer prudemment quand même. J'ai pas envie de me faire plomber le fion. Ah, à mon avis, ils sont plus lents. Guide de survie découvert, et là je suis passé à côté de quoi là? Et ouais, j'ai failli passer à côté de ça. Bien! Hop, équipé. Ah, je me fais un tout petit stuff avant de commencer l'émission. Ça pourra peut-être me permettre de les accomplir dans les meilleures conditions, on va dire. C'est au-dessus, je crois. C'est sur le toit. Peut-être bien sur le toit, ouais. LMB, ils ont un... C'est quand même des malades. Alors, je sais pas où sont les trucs. Sans doute en haut, donc il faudrait que je fasse par les toits. Ouais, bah, ça tombe bien, la mission, c'est là qu'elle me mène. Chacun pour soi, t'entends ? Enculé ! Tu vas morfler, ça ! Tu vas morfler, salope, je fous de balle et... Putain, mais arrête, arrête ! Tu me fais mal ! Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait, un élite, voilà. Bon, on va pas faire cette mission en fin de compte. Hein. Fallait qu'il y ait un élite. Et après, je pense qu'il suffit pas de courir. Camp Mountain. Bah voilà, je recommence loin, cool. Bon, je vais foncer direct à la mission cette fois. Parce que se faire plomber le cul par un élite alors qu'on n'a pas encore le niveau, c'est frustrant. Ah, je viens de recevoir un email d'Ubisoft qui me dit « Vous pouvez accéder à la bêta ouverte. » C'est bon, merci. Wow, wait a minute. Ah, je crois que j'avais perdu mon stuff. Chercher dans le sac, inspecter. C'est équipé ça ou pas, je sais. Ah oui, c'est équipé à la jambe, effectivement. J'ai perdu mon arme? C'est quoi ce délire? Non. J'ai perdu mon arme. Mon scar bleu que j'avais chopé, je l'ai plus. C'est une blague. Ah non, attends. Ah voilà, oui, il faut cliquer et après, en fait, tu peux... t'équiper, voilà, je suis con. Ah, ça me rassure. Ce frayeur, putain. Ah, cool, il fait nuit, j'adore ce jeu de la nuit, c'est génial. Salut les cadavres. Sympa la haie d'honneur. Allez, là, pas de préliminaire, on fonce direct au truc. Au point demandé. Le seul truc qui pourrait me faire dévier de mon chemin, et encore, c'est minime, ça serait de tomber sur un civil en détresse.
Mais bon, c'est le genre de choses faciles à régler. On est à 300 mètres. On se calme. Mais toi, tu vas te calmer, non mais où ? Encore le droit de courir. C'est bien, c'est que le cardio infini, c'est vachement utile. Non, je vous en prie. Quelqu'un a dû passer avant moi. Tant pis pour toi. Allez, faut finir le boulot. Alerte, communication radio JTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Traçage du signal. Analyse terminée. Envoyez les coordonnées. Non, non, t'es tous crevés. Super. Attention, force hostile en approche. Banco en approche ! Faut qu'on protège le quartier. Ils arrivent par où ? On lâche rien ! Ok. Aucun hostile à proximité. Sans vous, on serait tous à l'honneur de combattre avec vous. Et ouais. Qui réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille de la JTF. Voilà, ça va faire de quoi s'équiper un peu. Alors, si je dis pas de bêtises, inventaire. Apparence. Bonnet, on dirait un homme avec son bonnet. Toc, veste en cuir simple. J'aime bien celle-ci, j'aime bien. Cardigan simple, tout ça c'est équipé. Hop, maintenant on va dans la vue générale, voir un petit peu ce qu'on a droppé. Ce qu'on a looté, pardon. Alors. C'est celui-là, et on va s'en équiper. Hop. Celle-là, pourrie quoi. Hop. Allez, c'est parti, on va à la mission qui est juste en face. Centrale, ici Feilo, agent de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici, nous envoyer. Ah, envoyez-le doucement.
On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Alerte. Connexion au canon radio JTF locaux. Unité 43, les renforts arrivent. Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position. C'est pas trop tôt, putain. Il sort de ses péchés. Monster, on a besoin de quelqu'un au niveau des escaliers. Martinez, tu vas sur le côté. Go, go, go. J'adore quand ils se font péter comme ça tout seul. Le recul de ouf sur cette arme. La situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez, jetez un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Alors, attendez. On a encore chopé des trucs. Après, peut-être un intéressant, je ne sais pas. Des modes. Ah, viseur holographique. Ça, c'est bien. Ouais, ok, c'est vrai. Tac. Ici, j'ai eu quelque chose, non? J'étais persuadé d'avoir ramassé un petit flingue. Hop. En fait, c'était un mode. Alors, 10. 4. Viseur holographique, est-ce que je peux le mettre sur celui-ci? Yes. Alors. Ouais, non, ce sera pas intéressant. Hop. Zéro, zéro, zéro. Ok. Hop. Allons à la mission. Système de ventilation et de purification activé. Niveau de contamination en baisse. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Des médecins, par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale.
Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le. Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Isaac peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base, de manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'emportera. Pour l'instant, l'aile médicale fait peur à voir. Mais une fois que la virologiste sera là, on pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de ravitaillement. Pour les civils, mais pour nous aussi. Salut. Alors comme ça, vous êtes un agent de la division, hein? Ah, super. Bon, essayez de pas trop faire attention au carnage qui nous entoure, ou au fait que tous ceux qui ont essayé de faire la même chose que vous ont échoué et sont morts dans d'atroces souffrances. Ça les a pas aidés de bénéficier de plus de soutien. Si vous tenez à faire du mal au LMB, le destin frappe au hasard, c'est l'endroit idéal. On peut rien y faire. Alors autant rester positif. Faut quand même que je vous avoue un truc. Je préfère que ce soit vous qui alliez sur le terrain que moi. Ouais. La taille des donuts. En tout cas, je vous donnerai les infos, ok? La taille des donuts, quoi. Putain, je vais finir obèse, hein. Bonne chance à vous. Cool. Qu'est-ce alors, qu'il faut? Viens, je suis sûr que ça t'intéresse. Allez, viens. L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore. Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. L'aile technologique a connu des jours meilleurs, mais si vous arrivez à ramener Rhodes, il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Je pense qu'il nous sera très utile. Ah ouais. Hé, hey, t'as besoin de quoi? Marchand de mode, c'est bon. Ah, mais je vais peut-être revendre mon matos qui me sert pas. Viens tâter la marchandise. Ouais, je vais tâter ta marchandise. Je peux pas. Si, ça, c'est les trucs non équipés, effectivement. Oh, merde. Alors, bonne chance à vous. Toc. Benitez n'a qu'une idée en tête. Libérer Times Square. Merci d'être passé. Oh bah de rien, c'est un plaisir. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en fais un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraîné toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Un petit tour à approvisionnement, ça fait du bien. On peut pas louper ça. Faites attention à vous, agent. Visiblement, il y a des missions et dont le nom me dit absolument rien, donc c'était peut-être pas dans la bêta fermée. En même temps, j'avais jamais mis à jour la MA. Moi, j'ai
J'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Vous, vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Mais remettre un os en place, c'est comme ça que ça se passe. Alors si vous voulez que je soigne votre copain, vous rangez votre arme. C'est une menace, connasse? Non, c'est la vérité. C'est qui mon pote là? Ah ok. Recherche sur le virus, non? Je vois le truc du métro là. Vous foutez quoi là? Vous lui faites mal? Écoutez, moi j'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Vous, vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Mais remettre un os en place, c'est comme ça que ça se passe. Alors si vous voulez que je soigne votre copain, vous rangez votre arme. C'est une menace, connasse? Non, c'est la vérité. Bon dieu de merde! J'aimerais bien dire à celui... Celle-ci, elle me dit rien. Ici d'aller se faire foutre. Hop, celle-ci me dit absolument rien. Je crois pas l'avoir déjà faite. La coupure de courant locale est partie du générateur de la morgue du métro. Localiser l'ingénieur de la GTF, portée disparue. Ok, ouais. Vu que ça, ça fait partie de la truc qu'on n'avait pas, on va la faire directement. Et si on veut une source d'alimentation sécurisée, je pense que notre meilleure option, c'est la ligne qui traverse le site du projet Passway. Une petite équipe menée par un ex-ingénieur militaire appelé Paul Rhodes était partie le faire. Mais ils ne sont pas revenus. Et on n'a aucune nouvelle d'eux. Rétablissez l'alimentation électrique et retrouvez Rhodes. Et dans cet ordre. Le deuxième est important, mais le premier est vital. Ouais, cette mission, on ne l'avait pas dans la bêta fermée. Puisque ça concerne l'aile du QG qu'on n'avait pas dans la bêta. Alors attendez, avant, il y avait des ennemis à gauche. Là. Ils nous doivent un max. Il y en a un qui a fui. Très courageux le gars. Hop. Allez, on va à la mission. Oh le mec quoi. Ses potes se font canarder, lui il se barre. Sympa. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai pote. Ça, et quand il se tape ta meuf quand t'es pas là aussi, voilà, c'est... Le mec, il a toute la panoplie du meilleur pote. Si je dis pas de conneries, on va encore tomber sur des méchants. Méchants pavots bientôt. Ah non. Y'a rien à trouver là-dedans. Là non, mais là oui. Ça canarde. Emplacement marqué à proximité. Ça venait d'où, de ce côté? C'est un frein. Ici, Sparrow 3. On est presque arrivé. Terminé. Il est où? Il est là? Attention, force hostile en approche. On a encore des ennemis. Allez. Ah! Il a couru trop vite. On est vite, faut que je recharge. Des frappes tactiques, les gars. Attention, force hostile en approche. Les jambes. Attention, force hostile en approche. Vous avez été là au pire moment. Voilà le travail. Merci. Attention, c'est pas les pros.
c'est reparti, putain. Encore ? Des frappes tactiques, les gars. Bah, t'es beau, toi. Disparo 3, on est en position et prêt à partir. J'arrive pas à voir. Ah, ok. Oh, ils font chier aussi. Zone sécurisée. Ennemi neutralisé. C'était pas bien compliqué. Il suffisait de tous les tuer. On peut dire que vous savez tirer, vous. Des frappes tactiques, les gars. C'est pas passé loin. Allez, on va à la mission, on arrête de se laisser distraire. Bon, en même temps, autant que ça rapporte de l'XP, je m'en tape un petit peu. Donc, voilà, je recharge toutes mes armes. Le Serra utilisait cette zone site comme fosse commune. Voilà pourquoi les nettoyeurs l'ont prise pour cible. Dans la mesure du possible, évitez tout contact. Mais faites le nécessaire pour que Rhodes rétablisse le courant. S'il est encore en vie, naturellement. Les nettoyeurs, donc ça veut dire les mecs au lance-flammes, si je dis pas de conneries. Donc il suffit de tirer au loin. J'ai pas de sniper par contre. Il suffit de tirer au loin et dans leur. Eh, hey, mais attendez. Eh, hey, j'ai pris un level là. Oh. J'ai pris un level et je m'en étais pas rendu compte. Par conséquent, boum. Ça c'est cool. Et autre bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle. Tac. Qui a déjà une lunette, ok. C'est la lunette qu'on avait vue sur l'autre. Et tout pou pou pou. Ok, alors ça, ça tombe bien, justement, si on a des nettoyeurs. On pouvait pas rêver mieux. Localisation de relais auxiliaire. Cible acquise, sous niveau 3. Putain, ils viennent de décharger les cadavres. En même temps, dans la fosse commune. Quoi. Ça me semble logique. Ok, ils sont juste là. On fait juste qu'ils envoient les coups de fer. Par comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution. Merde, il bouge. Arrête de bouger. J'arrive même plus à me rappeler comment était ma vie avant. Et voilà. Oh, lui, là, c'est cadeau, ça. Je ne t'avais pas vu. Enculé. Alors eux, faut vraiment les prendre de loin. Faut pas vous le cacher. Et tu vises comme un gland. Lui, il me voit. Ok, ok. Je crois qu'il va rappliquer. On est encore loin. Là.
Heureusement qu'on avait le... espèce de... sniper. Ça, on a pu préparer le terrain. Ah, ça fait plaisir d'avoir une mission inédite quand même. Ah yes. C'est bon signe ça. Cool, un K47. On va continuer les recherches. Oh non, ça sera marqué sur la map de toute façon, c'est quelque chose. OK. Merde le con. Je le dis tout le temps, ce sera marqué sur la map. Hop. Je m'équipe de cette arme-là parce qu'elle est mieux en combat rapproché. Je vous apprends rien. Hop. Il va falloir faire attention à Roth. Apparemment, c'est un pro, mais il est un peu... excentrique. En gros, il a des tendances paranoïaques. Oh, c'est bon, moi aussi. C'est pour ça que je joue pas au multi. Je sais que quand on joue au multi, le FBI nous traque. Et ils activent Kinect et ils voient tout ce qu'on fait derrière notre, console et devant notre écran. Ils savent aussi, grâce à Windows 10, tout ce qu'on a, nos numéros de compte bancaire, nos films porno préférés, la taille de notre sexe... préférences sexuelles et bien entendu la dernière fois qu'on s'est tapé notre maman. Alors forcément j'évite Windows 10, j'évite de jouer à la console tout simplement, j'arrête de vivre en fait, je fais plus rien chez moi, voilà. C'est ça être parano. Je vais mourir. Ça va, j'avais un checkpoint. Ouais, j'ai pas fait. En fait, j'étais trop concentré sur ce qui se passait à gauche et à dire des conneries que j'ai pas vu ce qui se passait à droite. Forcément. Regarde-moi. Merde. Ouh. Ça a cliffé jusque là, ouais. Je vais quand même aller fouiller le cadavre de celui que je viens de faire péter. Ouh. Ça arrive dans mon cul. Ça me... Eh, c'est nul ça en fait ça. Eh mais c'est pourri du coup. Je croyais que ça me remettait de la vie à moi. Mais non, ça, c'est vraiment juste bien pour le multi en fait. Tac. C'est super bien ça au corps. Hein?
Oui. Voilà. Ça, j'adore le bouclier anti-émeute. Des soins, vite, des soins, des soins, des soins. Parce que je me suis fait cramer la gueule. Approvisionnement, c'est cool. Ah ouais, mais alors niveau soins, que dalle quoi, le approvisionnement. Désolé pour les petits roros. Sympa, on descend, descend, mais quand il va falloir remonter, remonter. D'après nos informations, un grand nombre de nettoyeurs sont sur place. Leur stratégie consiste à brûler les foyers d'infection et toute personne se mettant sur leur route. Faites très attention. Ok, j'en vois venir. Ah, elle met 15 ans à recharger, ça me gave. Bon. Là c'est sympa, ils sont loin et tout, mais quand ils sont loin mais qu'ils savent que je suis là, ça me sert strictement à rien le snipe, enfin la lunette on va dire. Ce projet était censé agrandir le métro de la ville, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir avant l'apparition de la grippe du dollar. Mais bon, les travaux publics à New York, ça prend souvent du retard. Je suis en train de me tâter à équiper le viseur lunettes sur mon... Ouais, je pense que c'est une bonne idée. C'est un bon compromis du coup entre mes deux armes quoi, je veux dire s'ils sont loin... Hop. Tac. Ouais. C'est un petit compromis, on va dire. Je pourrais quand même m'en faire de loin, et puis ceux qui savent que je suis là, bah, je pourrais quand même. Activation du relais électrique. Alors, ok. Vous voyez des ennemis, vous ? Et je ne vois personne. Alors je pourrais descendre à l'échelle, oui. Mais est-ce que c'est... Oh ! Je sais plus parler. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment ? Là, on va avoir des vagues d'ennemis en veux-tu en voilà. Confirmation. Réseau électrique local activé. Je sais pas qui a remis la lumière, si c'est la JTF ou quelqu'un qui s'est perdu, mais merci beaucoup. Ici Failo, je vous reçois, Rhodes.
Il y a de l'aide qui arrive bientôt. Et un petit conseil à celui qui se trouve ici. Dirigez-vous vers la salle du relais secondaire. Et quand vous voyez les cadavres, enfilez votre masque. Sinon, vous êtes mort. Enfile ton masque. Il y a un cadavre. Zone contaminée, bah ouais. Ah, ça y est. Attention, vous entrez dans une zone de contamination. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ramasser une boîte de conserve trouvée dans une zone contaminée. Après, je suis pas un spécialiste en biologie ou quoi que ce soit. Vous allez quitter la zone de contamination. Laisser descendre hein. Il est descendu, ça y est. Ils se font rétamer par une nana. Activation du relais électrique secondaire. Bien. Ah mais alors la santé, jamais hein, dans les rapprovisionnements. C'est un truc de ouf. Et merde. Ça va être plus compliqué que je pensais. Vous pouvez suivre mes instructions? Parce que là, je vais avoir besoin d'aide. Quel que soit votre problème, on peut vous aider. Parfait. Il va falloir remplacer les boîtiers de relais. T'es pas chiant, toi, tout hasard. Ils ont fait un travail magnifique sur les jeux de lumière. J'ai un bouclier. Allez, lâche ton arme. On peut se faire jouer bouclier, y a pas de souci.
Putain, ça marche. Le Lower Manhattan a du courant. Encore deux, trois comme ça, et on pourra rentrer à la maison. Ils sont là. Chapez. Où ils sont, donc inutile. C'était marqué sous pression quand je lui ai tiré dessus et qu'il était à couvert. Dites, les coups de feu, c'était vous, hein? Je me disais bien. J'imagine que quelqu'un vous a entendu. Attention, hostile en approche. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Alors j'ai plus de santé, c'est pas mal. Ouais, 15 ans pour tout recharger, bien, tu nous as fait perdre une opportunité là, connasse. Alors c'est bien beau de foutre des trucs de ravitaillement, mais sans kit de soins, ça sert à rien quoi. Clairement, je vais aller ramasser ça, je crois qu'il y en a un là. Connexion du relais électrique secondaire.
Attention, hostile en approche. Pèse une tonne, alors du coup on avance à 2 à l'heure. Kit de soins. Oh super, super. Ça c'est énervant, je vous jure. Connexion du relais électrique secondaire. On considère que j'ai buté tout le monde ici. C'est pas trop le cas. Attention, hostile en approche. Y'a pas moyen que je monte par là. Attention, hostile en approche. Faut m'indiquer où. Ok. Activation du relais électrique. C'est parti. J'espère que vous voyez bien dans le noir, parce que vous allez devoir rejoindre la salle des commandes. J'ai hâte de sortir de cette putain de crypte. Hé, attendez une seconde. Putain, c'est fort, connerie. Bon, je me mets au boulot dans la salle des commandes.
Ok. À tous les coups, on va avoir des vagues. Ils ont pris le top du top pour les générateurs. On dirait qu'ils ont retenu la leçon après le passage de Sandy. Ces trucs peuvent résister à peu près tout. Par contre, ils sont pas faciles à programmer. Mais avec un peu de chance... Putain, j'y crois pas. Ça marche. Merde, nettoyeur. Vous deviez pas vous en occuper, vous. Non ? Bordel, il y en a encore des connards ! Sérieux ? Putain, il sait faire que ça ou quoi ? Des vagues d'ennemis, ouais, c'est sympa, 10 secondes, mais quand t'as une mission qui dure 2 heures... Attention, hostile en approche. Encore ? Putain ! Ouais, super, hein. Pas mal. Vous avez raison. Foutez-nous une mission qui dure 2 heures avec peu de trousses de soins, des ennemis à foison, dont un élite. Oui, vous avez raison. C'est logique. Attention, hostile en approche.
Mais t'es trop con! T'es trop con! Montre-moi comment t'es con, montre-moi comment t'es idiot. Bon, bien sûr, c'est moi qui me suis trompé de touche, mais quand même. Sur place. Alors c'est des nettoyeurs. Je suis mort. Sérieux? Oh putain, il y en a un là, et voilà, je suis mort, super, putain. Nettoyeur, vous deviez pas vous en occuper, vous. Bah, c'est une blague, ça reprend pas la mission à zéro quand même. Ah bah si, ça reprend ici. Oh bah ouais, carrément, allez, why not. Attention, hostile en approche. Personne d'autre sur place. Alors c'est des nettoyeurs. Je suis mort.
Ah ouais, comment il me touche de là-bas? Quelqu'un m'explique? Ah ouais, super! Non, c'est nimp, c'est nimp. Le mec, je l'ai détruit, quoi. Ouais, bon. Bon, les amis, vu l'heure, c'est quand même plus d'une heure et demie de jeu, on va s'arrêter là, je recommencerai la mission soit en multi, soit je sais pas, parce que là, franchement, ouais. Bon, surtout que je vais la recommencer à zéro, je pense. Bon, bah, sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.